Où vont les 2 millions de livres que l'Algérie verse à la mosquée de Paris? Révélation sur Khalifa Haftar par le journal Corriere della Sera. Où vont les 2 millions d'euros que l'Algérie verse à la mosquée de Paris? Le très controversé Abderrahmane Dahmane a soulevé la question des 2 millions d'euros que l'Algérie verse à la Grande Mosquée de Paris tous les ans. Dans un entretien à Mondafrique, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a laissé entendre qu'une partie de cet argent aurait pu être détournée par des responsables politiques et militaires algériens indélicats. Cette affaire a surgi dans le sillage de la démission forcée de Dalil Boubakeur et de son remplacement par Chemseddine Afif dans des conditions que de nombreux membres de la société des Habous jugent illégales. Ce coup d'État aurait été planifié par un personnage intrigant, considéré comme le numéro 2 de cette institution cultuelle. Selon Dahmane Abderrahmane, la désignation de celui qui sera propulsé directeur de l'administration générale avec des prérogatives limitées, aurait eu pour objectif de gérer la manne financière qui provient d'Alger à des fins personnelles. Une grave accusation sur laquelle la mosquée de Paris devra s'expliquer par la voix de Dalil Boubakeur, qui a présidé aux destinées de ce lieu de culte durant près de 3 décennies. Le départ inattendu de l'ancien recteur a donné lieu à une levée de boucliers non seulement au sein de la société des Habous, mais aussi chez les autorités algériennes qui ont vu dans cette démission précipitée un affront à l'égard du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait jeté son dévolu sur le professeur Mustapha Cherif. L'ambassadeur d'Algérie à Paris a convoqué le successeur de Dalil Boubakeur, mais on ne sait pas encore de quoi les 2 hommes sont convenus. Le dossier de la mosquée de Paris est désormais ouvert, et une enquête devrait vraisemblablement être diligentée à partir d'Alger pour déterminer si l'argent versé par l'Algérie a bien été détourné, dans le prolongement du phénomène de corruption et de prévarication qui a marqué le règne de Bouteflika, bien qu'Abderrahmane Dahmane ait précisé que le directeur sur lequel pèsent ces soupçons de détournement ait été désigné bien avant l'avènement de Bouteflika au pouvoir, soit au milieu des années 1990, durant la mobilisation contre le terrorisme du GIA en Algérie, selon celui qui s'était présenté, à un moment donné, comme le représentant en France du candidat à la présidentielle, Ali Ghediri. Ce que le journal Corriere della Sera révèle sur le belliqueux Khalifa Haftar. L'Algérie a raison de ne pas faire confiance à Khalifa Haftar. On comprend mieux, à travers un portrait brossé par le journal italien Corriere della Sera, les virevoltes de celui qui a trahi Muammar Kadhafi et qui menace les efforts de paix en Libye. Dans un article intitulé « De la CIA à Poutine, les 1000 visages du général Haftar », le quotidien italien note que l'homme fort de la Cyrénaïque est peu enclin au dialogue, car il voit la diplomatie comme un danger pour sa propre personne. On comprend aussi l'acharnement de Khalifa Haftar à l'égard des islamistes, même modérés, contre lesquels il concentre toute son énergie pour leur mener une guerre sans merci. Cette rancœur, il s'en est expliqué dans un entretien au même quotidien italien en 2017, en affirmant qu'il était à 2 doigts d'être nommé ministre de la Défense après la chute de Kadhafi, mais les frères musulmans qui dominent Tripoli ne voulaient pas de moi. C'est alors que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution avec eux que le recours à la force. Le journal italien révèle que le temps joue en défaveur de Khalifa Haftar qui, du haut de ses 76 ans, souffre de graves problèmes de santé. De ce fait, le temps joue contre lui, explique Corriere della Sera, selon lequel le maréchal autoproclamé estime que revenir au jeu diplomatique l'affaiblirait, d'où son refus de respecter l'accord de cessez-le-feu. L'Algérie, qui est directement impactée par la guerre civile qui fait rage dans la Libye voisine, et qui chemine vers une intervention étrangère imminente, fait face au calcul égoïste d'un officier qui a fait montre, par le passé, de sa lâcheté face à l'armée tchadienne. À cette attitude indigne d'un chef militaire se greffent les défaites enregistrées par l'homme lige du régime émirati, qui a échoué dans son offensive contre Tripoli et a encouragé la Turquie à mettre un pied en Libye. Le journal italien évoque, enfin, une guerre de succession qui met aux prises le propre fils de Khalifa Haftar, son bras droit Mahmoud Varfali, décrit comme l'homme des sales besognes et accusé d'avoir tué de sang-froid des dizaines de prisonniers, et un autre chef militaire répondant au nom d'Unis Abou Hamada, qui ne cache pas son ambition de régner sur l'Est libyen. Haftar n'a jamais vraiment gagné une guerre, conclut le quotidien italien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.